On est Inos Arclimes et on regarde le Waller Birzin, là, c'est Nikoné, voilà. Super. Sur votre présentation Facebook, vous mettez que votre but est de montrer au monde comment vous utilisez votre énergie bestiale pour faire de chaque spectacle un véritable acte messianique. Je savais qu'un jour j'allais regretter d'avoir marqué cette question. Est-ce que ça signifie que le Niçois a une humilité toute spécifique ? Je suis de grâce. Bon. Alors, en gros, c'est pour dire, ouais, on vient de nulle part et puis on va montrer un petit peu à tout le monde. Parle au micro, s'il te plaît. Chantez bien fort dans le micro. Ouais. Juste montrer aux gens que on est là et c'est tout, quoi, tout simplement. Quoi. Représenter la région, le pays, quoi. Tout simplement. Parce qu'il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien chez vous. Il n'y a rien. C'est nul. C'est nul. Musicalement, quand même, en live, c'est quelque chose. We're gonna make it.
Bah, en gros, on est resté un peu bloqué dans les dans tous ces groupes qui des débuts années 90 où ça jouait sur scène vraiment. Excuse-moi. Ça jouait sur scène vraiment à l'énergie, où on s'en foutait des tempos, il n'y avait pas de mec au clic sur scène, les scènes, les pains, rien à foutre, et ça allait, ça envoyait les cheveux partout, et nous, c'est ça qui nous intéresse. Les vieux Sepultura, ouais, les vieux Sepultura, Machinette, machin, tous ces trucs-là. Ouais. Et plus, on a mêlé ça à l'énergie du hardcore, donc c'est, normalement, ouais. Ça devrait être un peu un cocktail détonnant. Mais c'est ça, c'est exactement ouais. Ça. Et quand on vous regarde, on a l'impression que vous arrivez du film Wayne's World. Good night and party on! Party on, Wayne! Party on, Garth. It's Wayne's World! Wayne's World! Party time! Excellent! And we're out! Ah, c'est vrai, c'est un peu ça! C'est pas grave, là-dedans, ouais! Mais t'es trop jeune, toi, t'es trop jeune! C'est ton merde! Ouais, on sent qu'il y a de la cohésion dans ce groupe. Et je t'emmerde toi aussi. Je t'encule toi aussi. Et toi, dis quelque chose, merde. Ça rapproche. Ferme ta gueule. Dis quelque chose, ferme ta gueule. Toi, tiens, parle. Non. Et le, alors, la base de votre groupe, c'est quoi? C'est le fun? C'est... c'est juste... à la base, c'était juste pour faire de la musique, pas rester uniquement dans le... Dans son local, il n'y a rien branlé, quoi. Ouais. Comme font beaucoup de groupes. Donc c'était vraiment pour jouer ouais. Et s'exporter au maximum. S'exporter. Ouais. Ouais. Se casser de Nice. Aller à la base voir de Nice, ailleurs. Et puis après ça a été voir la France, et puis après ça a été l'Europe, et puis on continue, quoi. Le partage, c'est ça, c'est ce qui vous guide, peut-être. Partager, vivre des trucs. Vivre des trucs fous, ouais. Ouais. Mm-hmm. Et fou, quand t'entends fou, c'est, ça veut dire quoi? C'est monter sur scène, balancer la musique? Ah non, c'est tout ce qu'il y a autour, les tournées, partir à l'autre bout du monde, avoir des histoires incroyables, des souvenirs, quoi. Ouais. En fin de compte, en tournée, c'est les plus grosses galères qui deviennent un peu les meilleurs souvenirs, en fait. Ouais, c'est plus hardcore. Et souvent, plus... Ouais. Et alors, c'est quoi le truc hardcore qui vous est arrivé? Indonésie. Cash. Cash. Pourquoi? Parce que c'était, y avait un truc qui était plus ou moins bancal d'aller dans les planètes. Non, c'est parce que c'était vraiment la tournée était ghetto, genre vraiment. Ouais, vous êtes parti à mobilette ou? Non, franchement c'était presque ça. Hein. Dans le van on rentrait à peine. Ouais. Tous vraiment serrés. 11 heures de route directement après un concert, pas dormir, rien du tout. Crevaison. Ouais. Crevaison, ouais, mais crevaison, bon, à la limite. Crevaison, t'as les. Et qui t'embrouille. Ouais, et puis t'as les voitures retournées sur le bord de la route. Crevaison à 4h du mat, en plein milieu de nulle part, dans la cambrousse. Et c'est pas genre. Nous, on chantait Jurassic Park. Ou Bali, quoi. Non, c'est Sumatra, Mais après les concerts, c'était. Ah, les concerts, c'était n'importe quoi. Ouais, mais c'était génial par contre. Ah, oui. Quand tu dis c'est n'importe quoi, c'est la réaction. 200-300 personnes, des jeunes, ils font des saltos, c'est fou. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ça joue dans la rue. Les gens là, derrière, devant. Non, ce que je préfère 100 fois jouer dans. Et c'est vrai que vous avez joué au Brésil, Colombie, Japon, Cuba, Chine, Indonésie, Mexique, Ukraine. 35 pays. Ouais, j'ai. Oui, on a fait. Vous avez noté que le meilleur set que vous avez fait, c'est au Kenya. Ouais, carrément. La folie. Alors pourquoi? C'était n'importe quoi, mais sinon. Bah, je fêtais mes 30 ans ce jour-là, donc du coup j'étais au max. Non, mais c'est juste fou. Et puis c'est trop bien, c'était vraiment trop bien. Je pense que vous êtes le premier groupe de métal français à avoir joué. Ouais, je crois que là on a marqué le coup. En Nairobi, vous êtes allé? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est la capitale. Non, chantez bien fort, Romy. Oui, je disais qu'on doit être le premier groupe de métal français, en tout cas, à avoir joué à Nairobi. Du coup. Même au Kenya, je pense. Yes! Au Kenya, ouais. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, voilà. Et la réaction du public, incroyable. C'était fou. Incroyable. Il y a des gens sur scène devant. Ils connaissaient les paroles et tout. Non, c'était fou. En général, là où on va, les gens connaissent. Ouais. Bah, si Internet, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. À un moment, on a eu le malheur de leur dire Morse Jiving, moi, montez sur scène, allez. Et tout le monde est venu. Ils sont restés tout le long. À la fin, il y avait autant de monde sur scène que dans la fosse. C'était génial. C'était trop bien. Ouais, mais c'était vraiment trop cool. Et vous faites une musique avec beaucoup de groove, c'est primordial pas pour vous. Pas au départ, mais c'est venu, c'est venu petit à petit, quoi. Parce que j'aime bien lui casser les couilles, en fait. Ah ouais. Vu que moi, pourquoi tu dis lui? Parce que c'est le batteur. D'accord. Et au début, c'était très métal, plein de doubles, plein de breaks, et puis avec le temps, on a... Plein de le break.
Tais-toi. Oui, oui, il y en a aussi, mais... Tais-toi. Et ouais, avec le temps, on a rendu le truc plus simple, plus groovy, plus efficace, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça va mieux avec l'énergie qu'il y a sur scène, en plus, donc du coup, c'est ouais. Cohérent, quoi. Il fallait un peu plus cohérent. Ouais. Vous cherchez l'accroche d'entrée. Ah oui. Oui. C'est primordial. Première seconde, faut que ça parte. Ouais. Voilà, quand c'est comme ça, c'est que c'est bon, c'est un bon concert. D'accord. Attention ce soir, du coup. Ouais. Bon. Vu que c'est un nouveau morceau, non, ça ouais. Marchera pas. Il y a une accroche, musicale. Il y a le groove, il faut que ça soit simple, efficace, que ça envoie de suite. Et en plus, il y a le visuel ouais. Qui permet d'accrocher. Ouais. À travers des thèmes, des films des années 80. Tu rames, mon garçon, je te lance des piques depuis tout à l'heure. Rien à foutre. Je sais pas, ils sont là aussi, putain. Non, je sais pas, c'est un truc que vous travaillez ou vous travaillez comment? Non, ben c'est vraiment spontané, je pense. Ouais. Ouais. C'est un truc, c'est entre vous. Bah, si vous dites, on a pas peur de se dire qu'un truc est à chier ou quoi, si quelqu'un soumet une idée, en fait. Ouais. Donc du coup, on revient toujours au même truc avec lesquels on a grandi, les années 80, les films, à la con, même au niveau de l'humour, genre on a tous à peu près le même humour, mais ouais. La même génération. Même le clip, je pense c'est parce qu'on se fait pas chier justement à se dire ça pourrait être cool. Alors le ça, clip, ça pourrait rendre. Ouais, c'est ça. C'est le clip de la cool, piscine, c'est comme... This Is Your Time. Ouais. Ben ça c'est pareil, c'était juste tout le monde pense que. Là, on sait que vous êtes pas stratège là déjà. Non. Il y en a qui le pensent, mais bon, c'est des. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, c'était pas pensé. En fait, on n'avait pas de budget. Ça faisait 9 ans qu'on avait le groupe. Et on s'est dit, il est peut-être temps de faire un clip. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on sait faire, la fête. Et basta. Et ça a marché. Il n'y avait rien de. Il n'y avait pas la repensée, quoi. Personnellement, ce clip, je ne savais pas où j'allais. Oui, il voulait. Il était pas chaud du tout. Non, c'est pas que j'étais pas chaud, c'est que je ne savais pas ce qui allait se passer. On m'a dit, tu prends le bus, t'arriveras là. Et là, puis j'arrive dans une villa. Et puis. Puis il se passe ça. Je fais, mais c'est ça le clip en fait. Ah ben voilà, mais très bien. Voilà. Ah, c'est on savait pas ce qui allait se passer du tout. Hein. Ouais. Vraiment... En gros, on savait juste qu'on allait jouer avec des guitares en plastoc. Ouais, les guitares en plastoc, machin. Et après, tout le reste, c'était ad lib. On avait pas de vanne. Ouais. votre cri de guerre, c'est One Life, One Chance, No Fucking Regrets. Ouais, du tout. Moi, c'est un truc de Sangen. Regrets. Regrets. Mon cri de guerre, c'est 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Aussi. Ah, One Life, cool. Chalou, t'étais pas là, toi. One, two, three. C'est un truc de. C'est quoi? C'est un truc de Sangain, ça. Ah oui, One, two, three. Non, en fait, quand on a commencé à composer le. Et ferme-la! Quand on a commencé à composer. Allez, je veux la poêle. Quand on a commencé à composer le premier album, en fait, c'est le premier truc que j'ai eu en tête. Je voulais faire une intro super efficace, rentre dedans. C'est ça que j'avais en tête, du coup, voilà. Et après, c'est resté, quoi. C'est le seul texte que j'ai écrit de tout le groupe, tout ouais. Simplement. Non, mais toi. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est bon, vas-y. Vas-y. Comment tu t'appelles? Putain. Loulou. Non, allez, prochaine question, s'il vous plaît. comment tu t'appelles? Au niveau discographique, donc vous n'avez pas chômé depuis 2005? 2004. Ah, démo 2005, attention. Moi j'ai. Ah oui, d'accord, oui. Ah non, je parle discographie là. Oui, gars. Oui, t'inquiète. Vous avez pas chômé, oui. Ouais. Donc, votre regard sur toutes ces années maintenant, oui. Avec le recul, la maturité, enfin, on la voit pas trop la maturité là. Non, c'est de pire en pire. Mais. écoute. Vous pensez que vous allez grandir un jour ou quoi? Jamais. Bah, moi, on va mourir, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Oh, tu vas grandir un jour. Non, je parlais pas de taille. Hein. Par contre, il a un gros sexe. Je vous aime si fort. Par contre, il a un gros sexe. On va en avant. Laisse ton 06. Coucou maman. Coucou maman. Maman, tu m'as bien fait. T'es con toi, vraiment. Non, franchement, moi, j'ai rien, je regrette rien. Il y a des albums qui sont. Mais non, de toute façon, ça fait partie cool. De ton cri de guerre. Hein. No regrets. Ouais. Il y a des chansons qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus pourraves. Et puis, c'est comme tous les, dans tous les groupes. Ouais. Et là, vous allez tout là. Vous allez sortir un nouvel album. Ouais, cette année. Un truc bête et méchant. Ouais. Dans la même lignée des. C'est cru. Ah, c'est cru, c'est-à-dire.
C'est cru pourquoi ? C'est cru, mais si tu regardes bien, enfin entre tous les albums, il n'y a rien qui est pareil. Tu prends le premier, tu prends Leftover. J'ai l'impression que chaque fois vous amenez des. En fait, dans le groupe, il y a deux règles, c'est cru quoi, c'est pas cru. Il y a deux règles, c'est. D'une, de. Bah, pas de limite au niveau des tournées. Et de deux, c'est de chaque album faire un truc différent. Ouais, mais ça se ressent ça. Il y a toujours une influence différente, les tempos ils vont changer, il y a toujours un truc à faire quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ça, les deux règles et ça fonctionne très bien au final. Ouais, ça fonctionne super. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ça prend de plus en plus d'importance quoi, le groupe. Hein. Au bout de 15 ans, même temps. il est temps, non ? Ça serait sympa. Ouais. Il vaut mieux que ça soit cru qu'avarié. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a eu ce soir là, dis donc ? J'ai une porte de battre. Et donc, le nouvel album doit sortir quand ? Voilà. Voilà, prochaine question. Normalement, vers l'été, avant, début d'été. Début d'été ? Je pense, ouais. Et de nouveau, une tournée qui suit derrière ? Je peux pas. Avec un nouveau visuel, un nouveau clip. Ah oui, bien évidemment. Ça va avec ? Il y a eu un package. Ouais. Et donc là, vous avez déjà réfléchi au clip, au visuel ? Il est tourné. Tout est tourné ? Ouais. D'accord. Et il va sortir là Il sortira juste avant l'album, un mois avant. Quand il veut l'exclu. Ben oui, voilà. Mais tu l'as ? Je gratte, non ? Tu l'as ? Je sais pas. Tu me dis c'est cru, tout ça, je veux un peu de détails. On joue deux morceaux ce soir, on joue l'intro et Pain. Ouais. D'accord. Ouais, c'est cool. En fait, il y a 13 morceaux et l'album s'appelle... Je te le dirai pas. Il s'appelle Ruthless. Bah, ça, c'est exclu. Grosse fesse. Ah ouais ? Ça sera annoncé prochainement. On l'a pas encore dit. Là, c'est exclu. Ah, super. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Bon, ok. Écoutez, les mecs, je vois pas d'autre chose à vous dire de plus. À part bon concert. Bah, merci. Bon le bourre sur scène. Hein, et à la prochaine. Merci. À l'Extreme Fest. Merci à vous. Si. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Extreme Fest hein, Alors, c'était. On est dans le before, le top. Là. Pour moi, c'était un concert de ouf. Ouais. Oui, il y avait un truc spécial. En ouais. Mais je vais le dire clairement. Ouais, et en fait, il y avait un pote Mika bleu. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui le connaissent, qui est décédé la semaine d'avant. Oui. Et en fait, le jour où on a joué, c'était le jour de l'enterrement. Donc moi, qui le connais depuis super longtemps, je pouvais pas. Enfin, il fallait faire un choix. Du coup, ça a été un show de. Enfin, de ouf. On était tous chauds. Il y avait les Dirty aussi qui avaient joué. Les Dirty aussi qui avaient joué en bleu. Ouais, ils avaient joué en bleu, donc du coup, nous on s'est ramené avec du bleu aussi. Oui, je comprends. Du coup, c'est passé un petit peu en émotion. Émotionnellement, ça doit être fort. Ouais, on était gonflés en fait. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est lui qui nous a signé en fait pour le premier EP. Donc vraiment un truc fort. Quoi. L'étrier, en fait. Sans lui, on serait peut-être pas là aujourd'hui. D'accord. Moi, le premier concert que j'ai fait avec le groupe, c'est chez lui qu'on avait dormi. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un truc. C'est un truc. On veut retourner direct. Ouais, mais vous êtes là ce soir, donc c'est pas pour rien quoi. C'est avec plaisir. Ok. Bon, merci beaucoup les gars. Merci à vous. Let's go!